autant de gars que de filles. C'est rare dans le merveilleux monde du sport. Le prof est super cool. On nage au début, puis après, ben, on fait des jeux ou on danse. Vous dansez dans l'eau? Ah! Il y a du techno, du disco, du rock, des slow. On se fait aller comme des vedettes de comédie musicale. Hey, c'est pas plutôt de la nage synchronisée, votre affaire? Jamais. J'aurais bien trop peur de rester de même. J'avais-tu annoncé la 2 ou la 6? Ah, ben, t'avais pas annoncé la noire, en tout cas. On recommence. C'est moi qui casse. Me semble que t'aimerais ça. Tu devrais venir au cours. Ben, à la piscine de mon quartier, j'étais la championne des bombes. Ah! Une autre fois pour niaiser, le plus beau gars du groupe a fait une bombe devant tout le monde puis a perdu son costume de bain. Puis, t'as-tu vu quelque chose? Ben, il l'a rattrapé assez vite. On n'a rien vu. Ben, on sait jamais, ça pourrait se reproduire. Les gars sont prêts à tout pour faire rire les autres. Viens donc, c'est ouvert à tous! Je sais pas si ça tenterait à Michel. Pourquoi tu me parles de Michel? Toi, ça te tente-tu? Peut-être une autre fois, mais pas aujourd'hui. Il faut que j'aille si je veux pas manquer le début, c'est le meilleur. À chaque cours, faut inventer une nouvelle façon de se saucer. Il y en a qui font des chorégraphies complètement sautées. Ouais, ben, on n'aura pas le temps de commencer une nouvelle partie. C'est plate, j'aurais sûrement gagné. Prends-tu l'autobus avec ça? Mon cousin il pouvait pas venir me reconduire, puis j'ai promis de l'apporter à Michel aujourd'hui. Ah, c'est pas si pire. Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour son chum, hein? J'aime mieux pas répondre à ça. Yana? Il y a juste ces noms-là? Oui, c'est ça. C'est pas assez. Il nous en faut deux fois plus que ça avant ce soir, sinon on pourra jamais le donner, notre cours. As-tu mis des affiches partout? J'ai fait tout ce que tu m'as dit. J'ai passé la journée d'hier à courir les restos du quartier, les boutiques, l'école. J'ai fait les tours. J'aurais dû prendre quelqu'un d'autre aussi. J'ai fait mon possible. T'allais d'oublier que je viens d'arriver. Mais c'est ça que je dis. J'ai besoin de quelqu'un d'habitué qui connaît le monde puis la place. T'as juste à les trouver. C'est peut-être pas aussi populaire que tu l'as dit, les cours de tango. Ben oui, on devrait avoir assez de monde pour pouvoir former un groupe. Je l'ai déjà fait, il faut juste qu'on se grouille. Liana, ce projet-là, il est super important pour moi. Si ça marche, ça veut dire qu'on va avoir une place pour danser deux fois par semaine. Ou bien, au lieu de rester à la Nièvre, va donc voir ceux qui sont venus et qui veulent de l'enseignement. Non. Ça va? C'est un clavier pour Michel. Il est tellement excité, là. Il en a tellement parlé. Michel, il est pas là? Il est dans sa chambre. Vas-y. Salut, ma belle blonde d'amour. Hey, j'ai un petit quelque chose à faire, mais je suis certain que tu vas comprendre, hein. Elle est tellement fine. Einstein vient de m'appeler. Ça a l'air que Bud Ricky est en ville. Il vient faire la promotion d'une marque de batterie, fait qu'il va jouer pour les clients du magasin gratuitement. Bud Ricky, mon amour, c'est le meilleur drummer de rock au monde. Je peux pas manquer ça, là. Fait qu'on va se voir après, OK? Hey, justement, c'est Einstein qui vient me chercher avec son père. Je peux pas le faire attendre, OK? Salut, là! Tout le monde trouve qu'on est pareil. On est différentes. Mais toutes les deux, on adore la crème nettoyante en profondeur Clean and Clear. Elle donne à ma peau une fraîcheur piquante. Et elle rend la mienne fraîche et propre. Tu vois? On est différentes! Avec la crème nettoyante en profondeur Clean and Clear, c'est sous contrôle. Certaines personnes croient que la marmotte annonce l'arrivée du printemps. Mais est-ce vraiment le printemps qui fait sortir la marmotte? C'est l'événement Le Printemps s'éclate chez Mazda. Avec un taux de financement de 1,9% sur les Mazda MPV, ainsi que sur les robustes camionnettes de série B, et un taux de 4,9% sur le Tribute. L'événement Le Printemps s'éclate chez Mazda. Profitez-en dès aujourd'hui et attendez-vous à beaucoup de plaisir. Musical, l'album, deux CD incluant 42 succès. Louis Louis, Liverpool, In the Moon, Venus. Retrouvez sur ce double CD tous les succès de la télésérie Musical, Mustang Sally, Fever, Chain of Fool, Harlem Nocturne, Summertime et plusieurs autres.
Procurez-vous Musical, l'album en vente dès maintenant. Tout le monde trouve qu'on est pareil. On est différentes. Mais toutes les deux, on adore la crème nettoyante en profondeur Clean and Clear. Elle donne à ma peau une fraîcheur piquante. Et elle rend la mienne fraîche et propre. Tu vois? On est différentes. Avec la crème nettoyante en profondeur Clean and Clear, c'est sous contrôle. Weston. Martin adore le pain Weston. Weston, chaque bouchée est si bonne. Quand Michel s'emballe, là, il est comme une tornade. Il n'y a plus rien qui compte. Mais pourquoi il ne m'a pas prévenu? Moi, je pouvais aller me baigner. J'ai dit non parce que monsieur m'attendait. Là, je perds mon temps. T'en fais beaucoup pour Michel, hein? Après son accident, là, je voulais tellement qu'il guérisse que j'étais prête à faire n'importe quoi. Oh, puis j'ai quasiment envie de rapporter le clavier à mon cousin. Mais là, Michel va mieux. T'es peut-être plus obligée d'en faire autant. Je sais. Mais je suis faite de même. Quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un, je suis pas capable de laisser tomber. Fait que je comprends pas ça quand ça m'arrive. Mais si tu pensais un petit peu plus à toi aujourd'hui, hein? Je vais m'arranger. Vous en faites pas. Je vais aller voir du monde. Vous direz... Non. Dites rien, Michel. Je l'aime, mon chum. Mais des fois, là, il m'énerve. Bonjour, Madame Couillard. Bye-bye. Hey, Sophie! Comment ça va? Tu peux-tu m'aider? Sophie! Ben là, la porte est ouverte. Salut! Hey, Sophie! Attends. Je trouve ça plate qu'on se parle plus, là. Y a pas de raison. Moi, je suis toujours resté ami avec toutes mes blondes. Sinon, t'aurais pas d'amis. On pourra pas toujours s'éviter. On va à la même école, puis on connaît le même monde. Pourquoi pas? On habite dans une grande ville. Ça se peut qu'on voit pas toujours les mêmes faces plates. Toi, c'est à New York que tu devrais aller. Oh, tu me donnes trop d'importance, Domingo Vidal. Tu penses que je vais changer ma vie pour toi? Tu me fais pas un pli sa différence. OK. Tu l'as dit, là. On peut-tu passer à autre chose? Moi, j'ai pas voulu... Laisse-moi parler une minute, OK? Je forme une troupe de danseurs amateurs, puis je cherche du monde. Puis j'ai pensé à toi parce que tu danses le tango puis t'aimes ça. Moi, j'ai rien contre toi, Sophie. On peut pas rester amis. Oh, t'as rien contre moi. Wow, c'est fin. Penses-tu que je me réveille la nuit pour penser à toi? Tu te prends pour qui? J'ai rien contre toi, Sophie. T'as pas d'affaires non plus. Je me demande ce que je fais avec toi. Bon. J'ai un cours de natation, là. Je verrai après. C'est un super beau projet organisé par un super bon gars. J'ai juste allé en ton nom sur une affiche, puis t'apparaît. On te voit pas souvent depuis que t'es revenu d'Argentine? Je me demandais ce que tu devenais. Puis là, ben, tu poses des affiches au billard. Ça m'a tout pris pour avoir la permission d'en poser une. Je surveille le monde qui la lit. Ça te tente-tu? Ouais. C'est-tu toi le prof? Tu pourras pas en trouver un meilleur. Et même que si tu veux me voir plus souvent, ben, je peux te donner des cours particuliers. Des cours de groupe, c'est bien correct avec moi, ça. Tu prends-tu les débutants? C'est écrit pour tous. Il me semble que tu sais danser. Ben, j'ai déjà pris des cours de ballet, mais j'ai jamais appris le tango. Je trouvais que c'était une danse de vieux. Une danse de vieux? Tu me trouves vieux. Ah, c'est pour ça que t'as jamais rien voulu savoir de moi, toi. Ah, je viens de comprendre pourquoi je te fais pas des fois. Hey, ça a pas rapport. Ton petit jeu, il marche pas avec moi. Je te crois pas. Puis comment va la fille avec qui t'es revenue? Eliana? Elle va bien.
Je fais mon possible pour l'aider à s'adapter parce qu'elle se sent un petit peu seule, là, c'est pas facile. Elle m'aide à monter le projet. Y a-tu beaucoup de monde d'inscrits? Encore de la place. Je cherche des musiciens aussi. T'es-tu encore avec Michel Couillard, toi? Pourquoi tu me demandes ça, là? J'ai pensé à lui parce que je veux monter un band de musique de tango. Comme je connais pas beaucoup de musiciens, mais il va pouvoir m'aider. Je sais pas. Il y a déjà son groupe. Penses-tu que ça pourrait l'intéresser? Ben, je sais pas, appelle-le. Donc, t'es-tu encore avec ou pas? Ben oui, t'as-tu fini de faire ton enquête? Si t'as quelque chose à lui demander, appelle-le. Okay. Moi, je peux pas répondre à sa place. OK. Je vais m'arranger. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je vais jouer au billard. Je retourne au centre et t'inscris de suite. Oui. Ouais. Si tu commences à donner des ordres de même, ça va être beau quand tu vas faire ton prof. OK. Je dis plus rien. OK? Allez, appelle Michel. Josée pas là? Ah oui? Elle était à la salle de musculation. Elle devrait remonter tout à l'heure. T'es-tu sa secrétaire? Non, non, je m'occupe des cours de tango. Je prends les noms? Est-ce que tu viens pour t'inscrire? Il y a encore de la place. Pas vraiment, non. Je peux t'aider si t'as des questions. C'est pas très compliqué. Tout ce qu'il faut, c'est avoir le goût de danser. On ne demande pas de connaître le tango. Il suffit d'avoir un peu de... Ah, comment ça se dit dans... Il faut pouvoir bouger sur de la musique. Faut pas te gêner, c'est très relax, tu vas voir. Je suis pas gênée partout. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? J'ai pas dit ça pour t'insulter. Je suis avec Domingo Vidal, le professeur de tango. J'organise l'activité avec lui. Je vais aussi l'aider à enseigner. Je viens de l'Argentine, j'ai fait partie d'une troupe de danseurs là-bas. Je crois que je connais assez le tango pour en montrer. C'est lui qui t'a ramené ici? T'es sa nouvelle blonde, je cache. Pourquoi tu me demandes ça? C'est ça? Oui, mais qu'est-ce que ça peut faire? On enseigne la danse ensemble, qu'on soit un couple, ça ne change rien. Je veux pas m'embarquer dans quelque chose qui va foirer. Je vois pas le rapport. Est-ce que tu connais Domingo? Oui, justement, je le connais trop bien. T'as été son ami? Je veux dire, es-tu sortie avec lui? Oui, j'ai fait cette grosse erreur-là. Je l'ai regrettée. Faut être organisé pour passer un projet au centre. Faut du monde qui bouge, qui brasse. On fait ce qu'on peut. J'ai pas eu beaucoup de temps pour trouver du monde. Et le cours doit commencer avec la nouvelle programmation du centre. Toi, t'es le genre à brasser, ça se voit. C'est peut-être pas une activité pour toi. As-tu songé à la boxe ou à la lutte? Oui, c'est fait. J'ai planté tout le monde. Puis je me cherche des nouvelles victimes. T'as rien vu? Si Sophie Bonin-Justrat embarque, c'est pas pour niaiser. Faut pas juste pouvoir donner des coups. Savoir danser, c'est important. En tout cas, moi, c'est pas la blonde que je veux parler. T'as pas peur de faire une autre grosse erreur en le voyant Domingo? Va falloir que tu attendes. Il est occupé. Tu vas jouer ça les doigts dans le nez, Michel. Ouais, ben l'exagère pas, là, hein. Je suis rouillé quand même, là. Je voudrais surtout pas gâcher le talent des compositeurs. Hey, t'es bon batteur, puis tu joues super bien des percussions, en plus. Je me rappelle la dernière fois qu'on a jammé dans ta chambre. Hey, t'as pas entendu ce que j'ai entendu à midi, toi, hein? Bud Ricky. Je voudrais jouer comme lui, moi. Hey, gars, si tu viens avec nous autres, là, je suis sûr que ça va devenir aussi hot que lui. C'est qui les autres musiciens? Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Comment ça? C'est ça que je te dis, Michel, je cherche du monde. J'ai trouvé ça dans les affaires à ma mère. Avec ça, je vais danser encore mieux. Et moi, je vais être le partenaire de la plus belle fille en ville. Puis, comment tu me trouves? Ça te va pas pantoute. C'est pas ton genre. Oh non? Non. Pis ça m'intéresse pas, là, ton histoire de band, là. J'ai pas les instruments qu'il faut, pis je connais pas personne qui est capable de jouer ça. OK? J'aimerais mieux qu'on laisse faire. Viens-t'en. Hey, comment ça, viens-t'en? Ben voyons, Michel! C'est mal parti, son affaire. C'est tout croche, ta patente, là, pis ça me tente pas de monter de band avec toi, là. J'ai déjà assez du mien, OK? Michel Couillard, t'es donc ben bête! Pour qui tu te prends à parler au monde de même? C'est pas assez bon pour toi? Hop, fais donc à ta tête! Thank you.
Fais-toi-en pas, Rebecca. Je suis assez tannée. Puis pourquoi je me sens mal de même? On dirait qu'à chaque fois que j'y propose des affaires, il veut rien savoir. Il vient jamais dans ma gang d'amis. Hey, depuis son accident, là, on chicane tellement souvent. Des fois, là, je me demande si on s'aime vraiment. Mais oui, vous vous aimez. Ça arrive de se crier par la tête quand on sort ensemble, c'est normal. Hein? Oh, puis je suis tellement gênée de me chicaner devant le monde. Je veux pas déranger, mais il y a des urgences. J'aurais dû me mêler de mes affaires aussi. Ça va s'arranger, Rebecca. C'est pas grave si Michel y embarque pas. Ça a pas l'air d'aller. Je pense qu'on va oublier ça, les musiciens. On va mettre des disques. Ça va être le plus simple. Est-ce que tu peux venir? Il y a quelqu'un qui veut te voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Ah, puis j'ai pas voulu être bête de même avec lui. Puis en même temps, ça m'enrage quand il devient venir sur le monde comme ça. Tu vas pas laisser tomber? Faut que je pense à tout ça. C'est pas la première fois que ça arrive, puis vous êtes encore ensemble, hein? Ça doit être parce que lui tient à toi, puis toi à lui. C'est pas un cours de tango qui va changer ça, là. Ah, oh, lui! Michel, je trouve que c'est un petit peu fort. Comme ça, c'est correct. Est-ce que ça va, toi? T'as l'air tout drôle? Mais t'es entré ici sans dire un mot, puis tu t'es enfermé. Est-ce qu'il se serait passé quelque chose avec Rebecca? J'écoute de la musique, là. T'es pas malade, au moins? Non, je suis correct. Je veux juste avoir la paix. Arrête d'enquêter, là. Non, mais tu joues pas avec toute la vie que Rebecca t'a apportée ce matin. T'avais tellement hâte. Non, laisse-moi. J'ai pas le goût de jaser. J'aime pas ça de voir comme ça, Michel. Non. N'insiste pas. Tu veux parler? Ouais, j'ai rencontré ta nouvelle. Bon, c'est fait. Moi, je connais Pierre-Luc. Fait qu'on sait tout sur nos amours. On peut-tu passer à autre chose? Embarques-tu, finalement? J'ai réfléchi. Je trouve que tu vaux pas la peine que je me prive de tango. Ah, et puis? Je suis prête à embarquer, mais pas juste comme une danseuse ordinaire. Avec toi, je peux pas m'attendre à quelque chose d'ordinaire, hein? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je m'occupe de l'organisation, du financement, je fais les arrangements avec le centre, puis toute la poutine, j'ai pas de problème. Ah, puis tu vas m'apprendre à diriger les danseurs. Juste ça. Eliana fait déjà tout ça. Es-tu prête à travailler avec elle? S'il le faut. Sans moi, ça marchera jamais, votre patente. Eliana a l'air bien fine, mais c'est pas la bonne personne pour organiser une gang de monde. Quand elle va connaître autant de gens que toi, là, elle va peut-être pouvoir t'en montrer. Ah, OK, Sophie. J'accepte tes demandes, mais je veux pas de chicane. Je suis aussi évoluée que toi. Je reste amie avec mes ex. Et je suis super fine avec leur nouvelle vie. En demandes-tu toujours autant tes ex? Juste à ceux qui le méritent. Je dois être le gars le plus smart de la place. Mm. Ben, je suis content que t'embarques avec nous autres, Sophie. Tu peux-tu juste me promettre d'y aller mollo avec Eliana? Mollo? J'ai-tu déjà été trop loin? Niaise pas. Pas de problème. Je suis très mollo. Ah, j'ai bien le droit de pas triper sur l'affaire de tango. Qu'est-ce que j'ai fait de si grave, là? Hey, c'est pas juste l'affaire de tango. C'est ta façon d'être. On dirait que tu trouves ça niaiseux, tout ce que je fais. Puis j'aimerais ça qu'on se tienne en gang. Ça pourrait être le fun, des fois. Pourquoi avoir du fun en gang? T'aimes pas ça être avec moi? Tu trouves ça plate? Ben non. Je comprends pas, là. Moi, quand je suis avec toi, je suis bien.
J'en demande pas plus. Puis quand je suis avec mes chums, ben je trippe avec mes chums. C'est pas compliqué, là. J'oblige personne à être avec moi. J'aime ça être avec toi. Puis j'aime ça faire du tango puis être avec du monde. Ah ouais, hein? Pour danser avec le beau Domingo. On dirait que t'es jaloux. Danser, là, c'est la seule chose que je peux pas faire avec toi. Comment veux-tu que je tripe dans cette affaire-là? Puis si c'est ça, là, vas-y donc avec lui. Michel. Je veux pas être avec Domingo. Je vais être avec toi. Ça, je le sens pas. Comment je peux faire pour te convaincre? C'est simple. Lâche le tango. Métamorphosez votre décor avec le magazine Tendance Déco. Au programme pour la belle saison, vivre en plein air, rajeunir sa terrasse, plonger dans une piscine de rêve, planter des bulbes et meubler son patio. À ne pas manquer ce mercredi dans votre quotidien. Hey, quelle journée! Hein? Oui, tout de suite. Et quelle heure, là? Quand c'est midi. Oh, déjà, ça n'a pas de bon sens. Bon, les messages. Vous avez 22 nouveaux messages. Oh, là, là, non. Wow, là, ça va faire. Avec un grand choix de soupe et de sandwich préparés comme à la maison et quand vous le voulez, les Aubaine Lunch de Tim Horton. Ça, c'est du Tim, comme je l'aime. Je suis en grosse réunion en ce moment. Est-ce que je peux vous rappeler plus tard? OK, merci. Réunion? Ben oui, avec quoi? Et à l'ordre du jour? Minou, minou! Manger notre lunch! Hein? Gros meeting! Vidéo voix gros. 1000 minutes les soirs et week-ends pour $30 par mois. Et un Nokia à 0$. Vidéo voix gros. 1000 minutes les soirs et week-ends pour $30 par mois. Et un Nokia à 0$. Début, ce n'était qu'un rêve parmi tant d'autres. Puis le rêve devint grand comme par magie. Et un vent de fantaisie illumina le ciel. Venez fêter avec nous et célébrer le 100e anniversaire de naissance de celui par qui le rêve se réalisa. Planifiez votre visite sur disneyworld.ca. Vivons le rêve ensemble. Métamorphosez votre décor avec le magazine Tendance Déco. Au programme pour la belle saison, vivre en plein air, rajeunir sa terrasse, plonger dans une piscine de rêve, planter des bulbes et meubler son patio. À ne pas manquer ce mercredi dans votre quotidien. Ce printemps à Radio-Canada. Ils vous donnent tous rendez-vous ce printemps à Radio-Canada. Eliana, laisse-moi continuer. T'aurais pas dû dire oui à ta Sophie sans m'en parler. C'est pas ma Sophie, OK? Et je peux pas te demander la permission chaque fois que je lève le petit doigt, ça a pas de bon sens. Sophie, elle connaît plein de monde. C'est elle qui a organisé la venue de mon groupe ici l'an dernier, puis c'était super. Avec elle, je suis sûr que ça va marcher. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Tu n'as pas entendu que moi m'en parler tout à l'heure. Sophie est comme ça avec tout le monde. Elle est pas méchante. Sophie puis moi, c'est fini depuis un bout, OK? T'as pas à t'en faire, y a plus rien. Ça va te permettre de prendre le temps de connaître les gens. Je t'avertis, Domingo Vidal. Si tu me joues dans le dos, tu vas le regretter. Voyons! Penses-tu vraiment que s'il y avait encore quelque chose entre Sophie et moi, j'y demanderais d'embarquer avec nous autres? Je suis pas tordu à ce point-là, là. Si jamais, je les connais, les gars dans ton genre. Ils sont capables d'aider tout. Hey. Je t'aime. Puis tu m'aimes. On peut-tu se faire confiance? Tu peux avoir confiance en ton chum. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'elle te veut, la Sophie? Le trouver son Domingo? Sophie, elle sort avec Pierre-Luc, et c'est le grand amour, il paraît. Comme toi et moi. Oui, n'empêche, je la trouve pas très sympathique. OK, on oublie Sophie. Comme une petite souris. Hein? On va juste un petit...
On le sent. Hey, on est ensemble, OK? Je te jure que t'auras jamais rien à me reprocher. Mais là, les autres nous attendent. Il faudra aller les rejoindre. On y va-tu? Sais-tu, je te regarde danser, là. Je trouve que t'as pas mal plus d'avenir dans la danse qu'au billard. Comment ça? Disons que j'aime mieux être dans ton équipe de tango. Pour le billard, je vais prendre quelqu'un d'autre. Pas question. T'as pas le droit de changer de partenaire comme ça. J'ai mon mot à dire, puis je te laisserai pas décider de tout. Oh! J'ai une bonne nouvelle. On va l'avoir, notre cours, finalement. Yeah! Oh! Ah, je savais que ça allait marcher. Michel, t'as changé d'idée. Viens-tu faire de la musique? Non, non, non. Je venais juste voir la gang. J'ai pas le temps avec mon autre band, hein. OK. Ben, écoute, viens nous voir quand tu veux. Moi, j'aime ça quand le monde nous donne des commentaires. Ah ben, en tout cas, vous faites une belle gang, hein? Ouais. Mais disons qu'il y a une fille qui m'intéresse plus que les autres. Est-ce que ça va tenter à ma blonde d'aller manger une bonne pizza après son cours? Oui. Bonsoir. Les policiers recherchent un chauffeur ayant renversé une femme dans la nuit de vendredi à samedi, lui infligeant de multiples fractures. La victime nous livre son témoignage. 140 familles de Saguenay pourront avoir accès à un nouveau HLM grâce à la construction de nouveaux logements sociaux d'ici 2 ans. Et finalement, le jardin zoologique de Saint-Félicien ouvrira l'été prochain. Bien sûr, on vous parle tout cela en détail à notre bulletin de 18h. Plus tard. Ouch! Paramédic pour vos petits ou gros bobos. Votre coop IGA Dalma, une entreprise d'ici, avec des gens d'ici et de très bas prix. Bière Black Label, caisse de 24, 20,99 $. Tomate rouge Canada, 1,99 $ sous la livre. Votre coop IGA Dalma, ça vous appartient. Tu dois être un maître du silence. Tu dois connaître tous les endroits où le plancher craque. Si elle t'entend ou si elle te voit, alors tout le monde est blâmé. Où tu étais? Si tu es affecté par la consommation d'alcool d'une autre personne, les êtres qui te sont chers le sont aussi. Appelle le 888-425-2666. Pour les aider, tu dois d'abord t'aider. Dans la forêt québécoise, l'ours noir est chez lui. Mais la forêt est aussi un lieu de loisirs pour les gens de chez nous. L'ours est discret et fuit la présence humaine. Il faut respecter sa vraie nature. Pour vivre en sécurité avec l'ours noir, il y a des règles à observer. Ne jamais le nourrir, entreposer les sources de nourriture hors de sa portée et minimiser les odeurs associées à la nourriture et aux déchets. Vivre en sécurité avec l'ours noir, c'est une question de responsabilité.